Bien le bonsoir et bienvenue pour notre dernier épisode sur Little Loop. On s'était Ok. laissé ici la dernière fois. Alors comment t'expliques ça, petit génie? Et apparemment, on fait des Qu'est-ce qui s'est recherches. passé? Elle l'a quitté pour un autre mec? Merde. Ok. Photo déchirée. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oh merde. C'est quoi ce bruit? Juste en dessous de nous. Il faut trouver un moyen de sortir, vite. Tant qu'il y a rien qui sort, moi ça me va. Ok. Un journal. J'ai cru que c'était une prémonition, mais non, pas du tout. Oh putain, on l'entend en plus. Horrible. Il est horrible. Mais ouais, comme dit, je sais pas si on est sur le meilleur des choix parce que. Putain, ça me stresse. Attends, vas-y, sors de là. Parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, enfin, depuis le début de l'histoire, de mon côté en tout cas, on protège la fille en fait. Non, ouais, là, non, le prêtre. Alors que ce serait plutôt le prêtre en fait qu'il faudrait défendre, excuser. Elle Je est m'énerve. lourde. Andrew, ramène-toi ici et aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends ce côté et je prends l'autre. On pousse ensemble. Bon. Tendu. Et pousse! Ah oh putain, mais c'est ouvert derrière. Enfin, en dessous. Merde! Oh merde! Bon, ça, on n'avait pas trop le choix. Oh merde. Putain, j'ai failli appuyer sur la mauvaise touche. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir le relever? Enfin, le monter. Tirer, attaquer. Bah, on va essayer, hein, mais. Vas-y. Il y a moyen. Si on gère bien, il y a moyen. Ok. Vas-y. Cool. Vas-y. Oh, il est mal en point derrière, donc ça va. Oh putain, il arrive, je crois. Faut que je te sorte d'ici. Enfin, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si le jeu nous demande de faire ça et que il y avait écrit imprudence, il y a de fortes chances qu'on aurait pu mourir. Tant pis, hein. On va essayer. Vas-y. Bon, ça va, c'est qui tu es là, c'est les plus faciles. Vas-y. Ok, c'est bon. Daniel, t'es toujours là? Ok. Daniel? Bon, je pense qu'il s'en est sorti. On l'a pas vu mourir, Dis donc ça quelque va. chose! Est-ce que t'es blessé? Partons avant qu'il n'arrive autre chose. Je suis assez d'accord. Et du coup, attends, il reste qui à affronter? Angela, elle a eu son truc. Daniel aussi. Tyler? Non. Je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Elle l'a aussi eu. Daniel? Où est-ce que tu te planques? Réponds-moi! Il y a le prof et Andrew. Quoi, Daniel, dehors? Non. Faut croire qu'il n'est pas là. Ok, on continue. Daniel s'en sortira. Il nous rejoindra. Je suis assez d'accord vu qu'on l'a pas vu mourir. Mais bon. Tout va C'est pas bien, non Daniel? plus. Putain, arrête de Mais gueuler. putain, où
qu'il est ? Daniel ? Réponds, je t'en prie ! T'inquiète, on le retrouvera. D'ailleurs, elle attend au niveau de relation. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Tyler. Ouais, ça va, sauf avec elle, quoi. Putain, le vieux pont, là. Daniel ? Où t'es passé ? Attends, est-ce que je peux juste revenir en arrière de deux petites secondes, hein ? J'avais l'impression qu'il y avait un passage sur la gauche. Non ? Ok, non. Donc c'est bien par là. Yes. Je suis trop content de vous voir. Au moins, je ne suis plus la seule qui ressemble à rien. Oh, l'angoisse. J'ai cru que je t'avais perdu. On se débarrasse pas de moi comme ça. Oh putain, il est toujours là. Ça fout le stress. Non, pas vu. Pas le moins du monde. Voiture de police. Là-bas, j'ai vu un truc briller aussi, ouais. Putain, je déteste ouvrir des trucs comme ça. Horrible. Ok. Je vais vite oublier ce que je viens de voir. Effectivement. Par là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu ? Oh non. Ok, bon, on touche peut-être au but. Peut être dangereux. Soyons vigilants. Oh, ça m'a encore fait sursauter. Tous à Little Hope seront en danger tant que vous serez en vie, Joseph. Vous devez mourir. Même Amy, votre épouse, n'a pu échapper à votre amour pour Satan. Maudissez-moi donc. Vous n'êtes pas digne de médire de ma défunte épouse. Vous résistez encore! Je dois chasser le démon pour protéger la population! Non! Vous faites erreur! Oh merde! Renoncez-vous au diable et à ses enseignements. Je n'ai pas péché! Je ne suis pas un disciple du démon! Notre ville succombe à la folie! À cause de la main de Satan! Marie! Il faut qu'on réagisse. Laissez-moi. Pas le choix, hein. Donne-moi donc ça. Voyez. Voyez comme on torture cet enfant. Joseph la tourmente avec l'aide du démon. Des pierres. Il faut écraser le démon en lui. Oh, je sais pas, mais dans tous les cas, il aurait dit ça. Ayez du courage. De vous dépend l'avenir de notre ville. Quel faire, toi? Non, mais dans tous les cas, il aurait dit ça. Putain. Merde. Mais oui, mais si j'aurais choisi l'autre, ils auraient dit la même chose parce qu'on est en train de l'aider. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
pour quoi faire. Oh merde. Super. John, qu'est-ce que vous faites? J'en ai marre de courir. Vous êtes malade? Il faut partir. Je crois qu'il en a dans le calvar, lui. Oh putain, y'a tout qui est en train de tourner là. Putain. Vas-y. Let's go. Ok. On gère. Ok, transition de malade. Let's go, ce monde là. Ouf, putain, j'ai eu tellement peur là. Ok. Vas-y, prends ça dans la gueule. Super. Nice. Oh putain, j'ai eu peur. Ok. Non, non, vas-y, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. T'arrêtes pas là. Ok. Il l'a senti passer, je pense. Courir, aider. On laisse tomber personne. Oh putain, si les deux ils passent, c'est génial. Non, c'est bon. Ok, ça va faire. Yes. Vas-y, échappe-toi. Putain, il est dégueulasse. Il est horrible. Oh non. Vas-y, prends-toi ça dans la gueule. Cool. Prends le marteau. Oh putain, c'est toujours pas fini. Putain. Ok. Yes. Parfait. Il faut qu'on parte tout de suite. Andrew, j'ai besoin de toi. Putain, sérieusement, vous l'êtes pas? Attends, j'ai envie de voir un... Ah non, on est... Ok. Je pensais qu'on était avec le prof. Je ne le vois plus nulle part. Je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il l'a pas aidé. Il faut trouver un moyen de sortir avant que cette chose n'arrive à entrer. La maison a brûlé, on dirait. Quelque chose qui cloche. Sans blague. Rien ici n'a de sens. Ok. Bon. On est dans une maison écrasée. On va dire ça comme ça. Pas 15 mi-chemin. Une prémo? Ouais. What? Eh? Ah mais c'est un cadre différent. Attends. C'est bizarre. En tout cas, le perso me disait rien du tout. Regarde voir, mais une corde.
enfin une corde. C'est normal que je puisse rien faire. Allô? Allô? On est bloqué? Ah non, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Oh putain, il y a un truc qui va sortir. C'est obligé. Oh non. Putain, mais c'est pas bientôt fini. Oh, ils vont tous se ramener. J'en peux plus. La petite fille. Oui. Ok, elle monte les escaliers. Bon. Attends, merde, il y a un truc. Ok, mais attends, je m'en fiche un peu de, des bouquins là. Je vous laisserai lire. Ah ouais, ok. Et du coup là on est un peu en train de se prendre les flashbacks du début du jeu, enfin du prologue. Il y a un trou. Oh merde. Du tout quoi faire là. Ah mais trouvé un truc bizarre. On est dans la maison du début. J'aurais épousé Angela. Tout ça est de plus en plus dingue. Oh, putain, du coup, il y en a quoi, il y en a 4 qui rôdent autour de nous là. Mais du coup, attends, reviens en fait au début. Pas moyen de monter à l'étage. En vrai, je pense que si. Ok. Comment comme encore on voit un autre déboulé, c'est sûr. Ouais. Ça refait exactement le même bug. Ok, c'est bon. Putain, ah bah oui, ouais, oui, c'était sûr. Oh fiché. Ça en fait 3 au total. Attends, faut peut-être tous les découvrir, hein, j'en sais rien. Peut-être. Vas-y, moi j'ai envie de monter à l'étage. Bon, bah, du coup, on n'aura pas tout fouillé. Hein. Ce bruit, c'est sûrement la petite. Faut qu'on la trouve. Mais bon. Vu qu'il y en a 15 000 qui rôdent autour de la maison, est-ce que c'est le bon choix de monter? Oh, elle est en train de pleurer. Là. Reste là. Ah ouais, attends. Tiens, vu qu'on est avec Andrew. Ah ouais, mais Joe... Ouais, c'est ça, ouais. Il est en mauvaise relation avec John. Pourtant, depuis le début du jeu, je trouve que ça allait plutôt bien. C'est pour ça qu'on l'a pas aidé tout à l'heure. Ah ouais, du coup, il se souvient tout. Oh non. C'est pas normal, je rêve. Je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon. Tous unis, grâce à Dieu, Little Hope triomphera. Je vous l'assure. La cour s'est réunie diligemment, car il le fallait. Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir.
Ça, je crois que c'est le moment de vérité. La cour accuse Marie de sorcellerie. En dites-vous, révérend. Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Marie emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable. Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait, et à elle seule. Elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux, sans dire un mot. Ce n'est pas vrai, menteur! Voilà que cette jeune furie, cette créature de Satan, a l'audace de m'accuser, moi, l'homme de Dieu, de faire le mal! Quoi qu'elle dise ou fasse, méfie-toi de ces petits airs innocents. Tu as choisi de faire condamner Mary. Alors tiens-t'en à ce choix. Je n'ai jamais eu l'intention de venir à notre vie. Où est son peuple? Allez-vous m'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Si je pouvais les arrêter, je le ferais. Mais... Alors qu'elle se trouve au pied du mur, cette fille du démon fait à nouveau appel à l'aide Attendez. De son maître. J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie. Elle donnez-moi un conseil. Carver est mort. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Il faut qu'on réagisse. La seule chose qui est folle, c'est cette cour. Carver, c'est lui le vrai coupable. Le mal nous a assaillis. J'en suis sûr. Quelqu'un nous a trompés. Mais Marie est hors de cause. Le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon. Taisez-vous donc. C'est lui le qui responsable. Qui comptez-vous duper ainsi? Vos intentions sont évidentes. Je purgerai cette ville des forces démoniaques. C'est vrai. Écoutez ce que dit Andrew. Carver est coupable. Que dois-je faire pour ramener Little Hope sur le droit chemin? Oh putain. Il faut arrêter Carver. Il faut détruire cette fichue poupée. Si elle est vraiment maléfique, détruisez la poupée. Vous en serez libéré. Le révérend a vu juste concernant la poupée. C'est bien elle qui a ensorcelé Marie. Brûlez-la, et la fillette sera sauvée, libérée de son emprise. Si la poupée tient vraiment Marie sous son emprise, alors détruisons-la, pour voir si l'enfant s'en trouve. Révérend, brûlez la poupée, sur le champ. N'agissons pas en hâte. Cet enfant doit affronter les conséquences Mes de ses décisions actes. Ne oh, putain, sont oui, pas bon. À débattre. Veuillez procéder. C'était bien lui. Je pense, hein, vu comment qu'il réagit. Ah, du coup, ça va tuer tout le monde? Non. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas ta faute. Oh putain, ça veut dire quoi, ça? Mais donc la poupée d'il y a deux épisodes, on aurait dû la brûler aussi. Ah, ça craint. Est-ce que c'est fini? Je ne suis pas convaincu. Si ça se trouve, j'ai encore aggravé les choses. Ne restons pas ici. C'est ce que je me dis aussi. Oh. De toute façon, c'est pas ici qu'on trouvera des réponses. Alors, on ferait mieux de partir. Cette gamine ne nous causera plus d'ennui. C'est terminé. Putain, j'espère. Ouais, mais là, ils sortent tous dehors, quoi. Quoi? Attends, tu te fous de moi, là.
Attends, mais je peux savoir pourquoi ils sont pas sortis eux? Oh mais quoi? Non. Pardon. Pourtant, elle a toujours été cool avec lui. Et elle? Décision, duplicité. Ah mais quoi? Mais non. Bah, franchement, j'ai pas compris ce jeu. Hein. J'ai clairement pas compris le jeu. À vous que je parle. En fait, on aurait dû l'écouter dès le début, celui-là. C'est de votre faute. Vous n'auriez pas dû revenir. Je vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait. Je veux pas d'ennuis, d'accord? On s'en va. Et sans se retourner. J'espère que vous allez brûler en enfer pour tous vos crimes, espèce d'assassin. C'est lui! Quoi? Attention! Cet enfoiré a une arme. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air un peu perdu. Non, pas ça! Attendez! Vous ne comprenez pas! C'est quoi ce délire? Dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Oh, what? Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Ah mais c'est trop triste. Vous pouvez pas tous la fermer. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, qu'on sortira d'ici. Oh merde. Bonsoir. Vous allez bien? Excusez-moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein? Vous l'avez vu? Ouais, très marrant. Vous avez besoin d'un remontant. Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Si vous pouviez nous aider, faire quoi que ce soit, on apprécierait vraiment. Arrêtez de dire non! Ah ouais, ok, ça se comprend. Tout se comprend. Et le pont n'a jamais été... Bah oui. Ah putain, en fait, on n'aurait jamais dû tirer. Hey!
Mais oui. Espèce de salopard, vous avez osé me tirer dessus. Arrêtez de vous planquer. Vous devez partir. Vite, vous. Vous êtes en danger. Le danger, c'est vous. Vous allez le regretter si vous ne partez pas tout de suite. Sortez de là et venez me parler en face, espèce de lâche. Et du coup, en fait, j'ai jamais eu de monstre. Hey, ils approchent. Je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Oh, c'est mais... Tout va bien se passer. C'est tellement triste. Merde. Bah du coup même, enfin les autres, je sais pas comment est-ce qu'on aurait pu les sauver. Voilà, c'est terminé, fini. Pour l'instant du moins, vous pouvez toujours réessayer, tenter de faire différemment. C'est là le problème des démons. Si vous ne les faites pas taire, ils vous hanteront à jamais. Je salue l'effort. Certains ont pu être sauvés, d'autres non. Tout cela, c'est votre œuvre. Et enfin, vous avez fini par le trouver. Le chauffeur de bus. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent. Nous nous reverrons un jour, peut-être dans le désert d'Arabie, peut-être en d'autres lieux. Mais nous nous reverrons, au moins encore une fois. Ouais. Bon. Alors, comment te dire que c'était pas la fin que j'imaginais, parce qu'en fait, d'un côté, elle est triste, des deux côtés, quoi, parce qu'on a perdu les deux autres. Par contre, y a pas moyen que je puisse passer cette merde, hein. Parce que... Ouais, en fait, c'est nous, il y avait juste en gros, depuis le début du début... Par contre, s'il te plaît, j'ai envie de passer ton truc. Je peux même pas le passer. Bon bah, je vais me prendre un copyright sur les gueules, mais bon. C'est à cause du jeu. Il suffit. Mais ouais, c'est... En fait, je comprends dans tout le sens où le conservateur disait à un moment les apparences sont trompeuses. Donc ouais. Du coup, je sais pas ce que dans la vie, enfin l'histoire de la fille et tout, de la poupée, est-ce qu'on a fait le bon choix de brûler la poupée? Et en fait, je me dis, parce que j'ai vu deux monstres à la fin dans la maison, est-ce que j'aurais peut-être pas dû en fait les voir? C'est ça la question. Et j'aurais dû peut-être directement aller voir à l'étage. C'est fort possible, hein. Aucune idée. Bon, je pense que c'est celle-là du coup. Vous me direz du coup, de vous, de votre côté, vous aurez fait quoi. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Si on atteint les 100 likes, on se fera le celui qui arrive après. Donc, a priori, il est censé se dérouler dans le désert d'Arabie Saoudite, un truc comme ça, ou d'Arabie, je sais pas, je sais plus ce qu'il a dit. Je crois que c'est un peu dans le délire des pharaons ou des trucs comme ça. Donc ouais, si jamais ça vous intéresse, faites-moi savoir, et puis on le fera sur la chaîne. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Ciao.